les données personnelles, c'est le sujet de plaisanterie préférée du patron de Facebook. Je sais que nous n'avons pas exactement la meilleure réputation pour le respect de la vie privée. Des traits d'humour qui pourraient bien faire partie du passé. C'est pour mauvaise utilisation des données personnelles que Facebook a été contraint de passer un accord avec les autorités américaines. Le géant du web devra débourser une amende record de 5 milliards de dollars. L'énormité de cette amende permet de marquer le coup et surtout de dissuader d'autres entreprises de violer les données personnelles. Pourtant, cette amende de 5 milliards est une goutte d'eau comparée aux 22 milliards de dollars de bénéfices du réseau social américain. Pour Facebook, le problème est ailleurs. Les autorités l'obligent aussi à créer un comité indépendant. Il supervisera la gestion des données personnelles. Une prérogative réservée jusqu'à présent à Mark Zuckerberg. Pour Mark Zuckerberg, c'est compliqué parce qu'il va perdre son influence sur la société Facebook. Pour autant, pour Facebook, c'est plutôt une bonne nouvelle, simplement parce que la société sera plus crédible vis-à-vis de ses investisseurs. Par communiqué, Facebook reconnaît que cet accord va nécessiter un changement fondamental dans sa façon de travailler. Un accord qui marque, pour les autorités américaines, la volonté de contrer la toute-puissance des géants de l'Internet.